Hello, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi petit replay par replay comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche. Du coup, je suis toujours. Je sais, avant, je rentre demain. Je devais rentrer aujourd'hui, mais il y a le confinement dans ma région, dans ma ville. Donc, je n'ai pas pu rentrer aujourd'hui. Je rentre demain. C'est l'avantage aussi d'être entrepreneur, pouvoir gérer un petit peu son travail. Mais bon. Du coup, ce matin, j'ai canalisé genre tout ce qui va se passer dans les 3 prochains mois de mon business. Donc, je suis très très contente de ça, de ce qui arrive. Je suis assez, j'ai envie de vous le dire maintenant en fait, mais je peux pas. Donc, j'attends un petit peu. Donc, voilà. Donc, j'ai une belle vision et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je ne sais même pas si je l'ai abordé en live. Je ne sais plus, mais je vais en parler ce soir. Je vais vous parler du site web parce que ça fait 1 an et demi que je suis entrepreneur. J'ai des excellentes qualités, dont l'accompagnement des femmes entrepreneurs, mais j'ai aussi un genre talent caché que je me suis découverte que je ne connaissais absolument pas. C'est la création de sites web. Alors, je ne propose pas de faire les sites web, mais pendant ces 1 an et demi, j'ai déjà créé plus d'une dizaine de sites web. Et j'adore ça. Et en fait, j'ai rendu ça tellement fluide, tellement facile que il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour me demander des conseils sur les sites, comment on fait, machin. Donc, peut-être que vous êtes dans ce cas de figure, peut-être que vous êtes dans ce cas de figure et vous dire, ok, moi en fait, je suis entrepreneur ou je veux être entrepreneur ou j'ai envie de monter un blog ou peu importe. Mais enfin, pour l'instant, j'ai pas le budget pour me payer un web développeur parce que voilà, ça coûte un certain prix. Et ben, j'ai peut-être, comme on dit, la solution parce que voilà, j'ai compris pas mal de techniques sur les sites web et donc en fait, j'en ai fait une formation. Bah, pas à pas. Donc j'ai filmé mon écran de la commande. Donc vous allez tout apprendre, enfin tout faire en même temps. Vous allez réserver, donc commander votre www. Vous avez acheté ça. Ensuite vous allez installer le site web dessus. Et ensuite vous allez créer votre site. Et ensuite vous n'aurez plus d'abonnement à payer. Parce que quand on ne connaît pas très bien les sites web, on va aller un petit peu chouiner. Un petit peu chercher des infos et on va tomber sur énormément de trucs. Alors il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'offres entre guillemets très alléchantes, mais qui vont vous faire payer un abonnement. Donc ça va vous revenir assez cher et en plus qui ne vont pas forcément vous aider. Soit vous allez tomber ou alors vous allez tomber sur des sites web qui sont genre ultra mal référencés ou alors vous allez avoir un www. Un truc, voilà, catastrophique. Donc, il faut vraiment dédramatiser ce terme de site web. Et clairement, la formation, c'est un tuto, genre pas à pas, et en une journée. Alors là, il est 19h, mais par exemple, si vous achetez ce soir, demain, à 14h, vous avez fini votre site web. Pourquoi c'est important? Alors, le site web, potentiellement, ça peut être vous. Pour démarrer votre entreprise, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de site web. Voilà. Maintenant, c'est important, comme vous le savez, pour le SEO. Si vous avez déjà commencé à regarder le site web, vous avez compris que bah, il y a ce terme de SEO que Google aime beaucoup. Et en fait, c'est la recherche organique. Par exemple, bah, vous êtes ostéopathe. Ostéopathe à Genève, par exemple. Si je tape ostéopathe Genève. Ce qui serait bien, c'est que je tombe sur vous. Donc, et sans payer, voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps, voilà, parce que, ben, en fait, c'est des sortes de petits robots, hein, qui vont aller chercher ostéopathe Genève, ostéopathe Genève. Et, ben, dans cette formation, je vous explique comment, hop là, quand on tape ostéopathe Genève, on arrive à trouver, ben, votre site web. Donc, c'est peut-être pas utile. C'est pas indispensable pour votre business. Attention, ça c'est faut être très clair avec ça. Un site web, c'est pas indispensable à votre business. Par contre, il y a un moment donné où si vous voulez switcher en ces périodes-là, c'est un petit peu quand même intéressant d'avoir un site web pour pouvoir bah, celles qui font de la vente en ligne, voilà, vendre leurs produits en ligne. Donc pour celles qui veulent
créer leur identité. Et là, j'ai une super bonne nouvelle. Je ne sais pas, aujourd'hui, je vois pas qui. Regarde, je vois qu'il y a des gens, mais je ne sais pas qui c'est. D'habitude, je sais un petit peu. Là, je ne sais pas. Mais peu importe que vous soyez une femme ou un homme, parce que vous avez bien compris que finalement, ma com parle beaucoup aux femmes, voilà. Mais là, c'est une formation, donc même les hommes peuvent la faire, c'est génial. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez prendre cette formation. Donc voilà. Donc en fait, vous allez vraiment apprendre pas à pas à créer votre site web. Vous n'aurez plus d'abonnement et vous aurez un site web assez canon. Franchement, vous allez voir qu'on va faire un site web super super canon. Vous avez une autre option que vous pouvez ajouter à cette petite formation, c'est la formation, enfin le package e-commerce ou réservation. Vous avez la formation, vous allez apprendre à faire votre site vitrine, donc c'est-à-dire page d'accueil, page de contact, page, voilà, vous allez apprendre à faire votre site web, donc ça, pas à pas. Et ensuite, si vous voulez mettre des produits à vendre sur votre site, vous avez le petit module supplémentaire, parce qu'il y en a qui ont peut-être pas besoin de ça. Donc si vous avez besoin du module pour vendre des produits, ou si vous avez besoin du module pour faire vos réservations, par exemple, on a fait un module avec une salle de sport. On a voilà des personnes qui, surtout en ce moment, il faut réserver les cours. Voilà, donc on a le module réservation. Donc ça peut être pour les salles de sport, ça peut être pour peut-être les esthéticiennes, ça peut être aussi si vous voulez prendre des rendez-vous avec les gens et que les gens et votre calendrier en fait en ligne sans que vous ayez besoin de vérifier vous dans votre calendrier. Voilà, au moins ça se fait automatiquement. Donc c'est possible aussi. Donc là vous verrez, de toute façon vous avez la formation et en dessous vous avez un petit carré comme ça, genre est-ce que tu veux à la formation e-commerce en plus. Voilà, c'est les deux ensemble, donc il n'y a pas besoin de chercher plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant parce que souvent on a l'impression que créer un site web ça peut être très très compliqué. Alors oui, il y a des experts qui font ça parce que il y en a qui vont vous coder le site tout complet, mais là nous c'est pas ce qu'on va apprendre. On va apprendre vraiment à faire un site. Vous pouvez aller voir, tous mes sites sont faits, c'est moi qui les ai faits, donc vous pouvez aller voir tous mes sites, j'en ai pas mal quand même. Donc vous pouvez aller voir les sites. Au moins on apprend en fait, au moins à faire une belle page d'accueil, on apprend à faire une belle page de contact pour qu'on puisse nous contacter, et au moins vraiment penser à ça, penser pour le référencement, parce que une fois qu'on va taper votre profession ou vos mots-clés, je ne sais pas, vous êtes qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous êtes charpentier, je regarde en haut. Donc vous êtes charpentier, voilà, vous tapez charpentier Toulouse, allez, vous êtes charpentier à Toulouse, bim, au moins on vous trouve plus facilement. Donc voilà, moi je pense qu'un site web, c'est vraiment intéressant, au moins pour le suivi, pour la suite, pour vous faire. Moi je me. Il y a beaucoup par exemple, de magazines qui m'ont trouvé par rapport à mes sites web. Donc voilà. Ça met quand même une certaine mise en lumière. C'est pas indispensable à votre business, mais ça peut vraiment vous aider. Donc là, vous avez la formation pour faire votre site web en genre une journée, pas en 10 ans, en une journée. Donc ça peut être vraiment ultra cool. En une journée, vous prenez une journée pour vous. Hop, vous mettez un bon thé sur l'ordi et hop, c'est parti. On le crée ensemble, pas à pas. Je vous dis, appuyez là, appuyez là. Vous mettez pause, vous faites. Vous rappuyez, vous faites, voilà. Donc ça va être juste génial. Je vous laisse aller regarder après, hein. Si vous voulez, je vous mets le lien de toute façon en dessous de ce live, enfin au-dessus du coup de ce live. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions du coup sur ce site web. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et en attendant, n'hésitez pas à partager ce live ou à partager la formation. Peut-être qu'elle peut vraiment intéresser des personnes de votre entourage. Parce que voilà, peut-être qu'il y en a qui sont pas encore entrepreneurs, mais qui aimeraient comprendre ce que c'est que voilà créer un site web, ou qui aimeraient peut-être partager un blog, c'est possible, ou un podcast, ou juste, voilà, peu importe ce que vous avez envie de partager, mais ça peut être intéressant. Donc, si vous avez besoin de cette formation, je mets le lien en haut. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau live.